Ton nom de scène à toi, Petrushka. Petrushka, ça bouge, hein, c'est variable. Moi, c'est Zlatko. J'ai un bien qu'on m'appelle Zawa, parce que c'est un peuple qui est en train de se faire décimer au Brésil. Et... Moi, quand j'étais petit, ma maman, elle m'appelait Doudou. Et après, Vlad, c'est déjà mon surnom, et de quoi on l'a gardé dans le groupe, quoi. Ah, c'est Mirko. Ceux qui répondent bien, ouais, c'est typique d'échapper de son gars, ça. Faut pas être carré. Un truc sincère sans faire exprès, une vraie réponse, une blague. Et bah, moi, je sais répondre aux questions. Ouais, ouais, non, mais c'est complètement à l'image du groupe, là, ce qui vient de se passer. Et vous arrivez quand même à continuer ensemble, à vous entendre, malgré toutes vos différences. Tout est à faire dans l'instant et uniquement pour partager et s'éclater, quoi. Tu crois que c'est rock parce que dans ta tête, t'entends des guitares. Alors tu dis c'est du rock. Mais on aurait eu l'accordéoniste, t'aurais dit ah, c'est de la chanson française. Visage affamé de loi, barbe cramée par la foi. Le sable au désert est devenu boue, d'où se lève cent âmes accablées. Commence aussi par lui ferrer, c'est pas anodin non plus. C'est aussi par rapport à l'histoire du groupe et du projet, l'histoire du projet, Échappée de Sangatte, comment, où est-ce qu'on se place par rapport aux nations, aux frontières, aux étrangers, à la différence, etc. Et c'est bien sûr une magnifique histoire, d'autant qu'elle est vraie. Et donc il fallait commencer avec une sorte d'hommage à des étrangers qui étaient plus français que les Français. Quoi. Vraiment, une révolte un peu quand même. Bah, évidemment, une révolte très profonde, mais qui ne peut passer que par là. On gratte après la mort si on... Mon premier souvenir de musique, j'ai conçu une guitare avec une planche en CP et des cordes en nylon, avec des clous, et j'ai trippé. Et j'ai dit, waouh, c'était jamais quoi, 6 ans, quelque chose comme ça. C'est quoi, Aurélien, ton premier souvenir de musique? J'avais un petit piano joué. Ouais, c'est resté. Un tout petit piano. Mmh. Et c'est resté. Je me sur scène. Ouais. Et toi, Vlad? Moi, un des souvenirs plus anciens, c'est quand je devais avoir 7 ans et je connaissais un album de Renaud par cœur et je le chantais dans le micro du bus pour aller au gouffre de Padirac avec le centre social. C'est tout petit, chez la mère à Titi. C'est un peu l'Italie. Je connaissais tout ça et j'ai eu un vrai succès, quoi. J'étais minou. Et le gouffre, c'était bien? En fait, on a mangé les spécialités de là-bas, là, les gaufres de pain. Des gaufres de pain. Vois-tu la sorcière ici ou là, dans la forêt qui bouge? Vois-tu le bourreau tout là-bas avec son habit rouge? Plus rien ne va ici déjà sur mon chemin de terre, mais j'ai bien peur que l'au-delà. Ne va, plus rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, toi. Plus rien ne va pour vivre comme un homme, quoi. Au départ, ils sont arrivés, ils sont restés. C'était plus ou moins pour des remplacements. On s'était croisés sur ils faisaient la première partie d'un spectacle qu'on avait organisé, un truc qu'on avait organisé un peu ensemble. Et il est resté, et Aurélien pareil. Il m'a bien vu, mais je sais pas comment il a fait. Parce que j'avais fait la première partie du groupe, je l'avais écouté, mais comme ça. Et du coup, je sais pas comment il a fait, mais une conversation, il a réussi à me donner envie de jouer dans le groupe. Alors ça, c'était très fort, donc j'avais envie. Et puis je me suis retrouvé là avec des bons musiciens. Et moi, à la base, j'ai dû bosser vachement là-bas. Moi, je fais du rock, je joue comme un ours, quoi. Et là, il a fallu jouer des nuances, des trucs que je savais pas jouer, donc j'ai appris. Et du coup, j'ai apprécié les morceaux, et puis je me suis retrouvé à savoir jouer des trucs que je savais pas jouer avant, donc j'ai envie de continuer à... Et la basse, du coup. Et la basse, ouais. Et savoir jouer la basse pour de vrai, quoi, sans faire de la guitare avec quatre cordes, quoi. On donne, on partage, on y va, on envoie. Les gens, il y a des gens qui reconnaissent. Alors, c'est marrant parce que par rapport aux réponses qui m'ont été données, c'est peut-être pas une affaire de style ou de goût. C'est une affaire de rencontre et de relations humaines dans le groupe. Et du coup, bah, c'est la même chose. C'est peut-être pas une affaire de style ou de goût, les gens qui viennent voir, qui aiment. Et peut-être ça prend du temps aussi. Et je pense que oui, c'est en train de prendre. Il y a des gens qui nous sont très fidèles, un peu au gré de notre route.
Et en fait, ça, du coup, effectivement, prendre le temps de prendre, mais ça prend. Jamais, jamais.